Oh mon dieu. Oh putain, c'est beau ça. Désolé de dire cette insulte directe. Eh ben salut tout le monde, c'est Flou de la chaîne Café Gaming pour ce nouveau encore Café Collector. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd, donc le Collector de Soul Calibur 6. Oui, une unboxing en même temps, donc voilà, le Collector Soul Calibur 6, qu'est-ce qu'il contient dedans? Le jeu, la figurine de Sophitia qui est en 35 cm, le Digital Container, donc le Season Pass, et le Digital Soundtrack qu'il faut télécharger sur le site de Namco. À cause du reflet du soleil. Donc voilà, donc c'est parti, on va se faire une belle unboxing. Je vais devoir mettre pause pour filmer, pour vous débarrasser de ce truc. Voilà, je vais vous l'ouvrir et je vous dis à tout de suite. N'est-ce pas magnifique que ça? Regardez-moi, Sophitia. Franchement, bel et bien dessiné. Ah, franchement, magnifique. Magnifique. Et pourquoi j'ai pris le collector? Normal, pour ça. Voilà, le soleil. Franchement, magnifique. Magnifique, c'est ça. Ces artworks, franchement magnifique. Le soulage à côté, franchement magnifique. Magnifique. Et en plus, la biographie de Sophitia derrière, en anglais, à préciser. Parce que le collector est en multilangage, à préciser, bien sûr. Encore une deuxième fois, je le redis encore. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? Donc, on va commencer. Alors déjà le jeu. Franchement, je vais peut-être vous faire un live. Donc la vidéo sera postée dans quelques jours après. Vous verrez peut-être un rediff. Je sais pas, je vais peut-être laisser le rediff. Donc pour la découverte, franchement, ça ne mange pas une petite bouchée. Donc je vais faire une petite pause parce que là c'est la figurine, c'est chose sérieuse. 10 figurines. 10 dangereux. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Magnifique. Et à mon avis, l'épée, à mon avis, pour la terre, je ne sais pas comment. Alors, je vais regarder dans la petite artwork. Apparemment, l'épée, elle serait tenable comme ça. Bon, je ne vais pas trop forcer. Et apparemment, voilà. Franchement, elle est pas moche quand même l'artwork. La figurine, franchement, je la trouve pas très moche. Je vais essayer de faire shade. Franchement, magnifique. Mais je crois que je vais le laisser parce que je vais essayer de mettre un peu d'espace dans mon meuble. Donc là, je vais essayer de mettre l'espace, mettre la figurine et je vais essayer de tout caser, tout changer. Je vais essayer de refaire un point, mais franchement. Mais pas raté du tout pour une figurine. Je sais pas, il y a des gens qui s'appellent des figurines de chez Namco Bandai. Franchement, j'ai vu la figurine Tekken 7. Franchement, elle est magnifique aussi. J'avais un ancien, voilà, un ancien poteau de la family, n'est-ce pas? En plus, l'épée, regardez, l'épée en plus, elle est bien inscrite. Bon, vous voyez pas, mais. Téléphone de merde, comme tu sais, voilà. Et franchement, magnifique. Je vais essayer de faire une pause pour que j'essaie de la mettre. Donc je vais essayer, je vous dis à tout de suite. C'est pas tout beau tout ça. Magnifique. Magnifique. Mais magnifique, bordel. Magnifique, bordel. Ça, franchement, pour moi, c'est du collector magnifique. Enfin, un collector que je rêvais. Je rêvais, bordel de merde. J'en ai parlé à droite à gauche, je lui ai dit espérons qu'il va y avoir une figurine de sous Sophitia quoi. Ah non mais franchement je suis. Comment dire, je suis vraiment très heureux. En plus c'est le personnage, bon, parfaitement vous me dire à cœur que c'est une de mes persos préférés dans la série de Soul Calibur, même de Soul Edge. Ça s'est commencé par Soul Edge sur PlayStation. Mais franchement, magnifique. Putain j'ai. Je ne peux pas dire, mais magnifique quoi, bordel. Magnifique. Je crois que je vais. Dès qu'à la fin de la vidéo, je vais peut-être vous faire
une petite vidéo vite fait sur Sophie Thiaf. Un truc, voilà, vite fait, en bref. La figurine, mais là, elle est magnifique. Bon, par contre, j'ai du mal à ouvrir la boîte du jeu. Donc, dans la boîte du jeu, à mon avis, il y a la season pass, plus l'OST. Donc, en fait, au total, en fait, tu te repars avec ça, en fait. Franchement, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc, le digital soundtrack, il est dedans. Plus le season pass, il est dans le jeu. Donc, voilà. Donc, franchement, il n'y a que dire. Mais là, je vais l'installer, je vais vous faire un live ce soir, mais là franchement, là franchement, je vais vous le dire, putain, je me suis fait un collector de dingue. Après m'acheter le collector de Yakuza 6, je me tombe sur ce collector, là je suis en kiff. Bon après voilà, il y a du rétro aussi que je suis en collector, la Wild Arms, franchement je suis tombé par terre. Mais là, ce figurine, je suis obligé de le dépister, je suis obligé de le décorer quoi. Tellement je suis en kiff sur ce figurine. Mais franchement, mais là je suis voilà quoi. Je suis vraiment, je suis très très hype quoi. Je suis dans le hype. Voilà. Je suis dans le hype de mon figurine. Voilà. Voilà voilà. Franchement. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais préciser que l'épée faut bien le mettre. Par contre, ne forcez pas trop parce que c'est trop risqué de péter les mains de la peau de Sophie, tiens. Mais franchement, magnifique. Magnifique. Donc voilà. Donc, le jeu, hein, à préciser, hein, voilà. Le jeu, hein. Je le ferai en live. Je vais l'installer tout de suite sur ma PlayStation 4. Mais là, obligé que j'ai dit, je prends le jeu en collector. Parce que voilà, Sophie Tia. Sophie Tia. J'ai plus joué, franchement je vous dis, Soul Calibur, j'ai le Soul Calibur, le premier, j'ai Soul Edge qui est sur PlayStation, je l'ai en PAL et en Jap. J'ai Soul Calibur en version Jap sur Dreamcast, je l'avais acheté sur Xbox Live Arcade sur la One, mais bon la One je l'ai vendu malheureusement, parce que voilà c'est pas une console qui m'attire vraiment, voilà, au moins j'avoue, parce que... Voilà, après il y a des gens qui vont me dire, non, oui, mais bon, c'est un peu aussi de votre... de la faute de la personne machin qui m'a dit ouais chez toi une One machin, ouais bon pour jouer à quoi, les jeux la plupart des jeux sont sur PS4 et PC donc voilà, donc moi j'ai du mal à ouvrir le jeu parce que les ondes c'est un peu sur moi sur un bloc clé, voilà aussi manqué les doigts pour le collecteur, je dis ah ce collecteur mais là franchement magnifique, que dire de plus. Donc voilà. Donc sur ce les amis, moi je vous laisse et moi je vous dis à la prochaine, c'était Flo. Le buveur de café, Flo Yoshi, voilà. Sur la chaîne Café Gaming, et moi je vous laisse apprécier ce petit moment face à cette figurine en vidéo. Moi je vous dis à tout de suite. Et plutôt oui, à la prochaine. Ah oui, pardon.